Ils sont nombreux aujourd'hui à avoir poussé les portes de l'hôtel des ventes de Troyes à l'occasion de la journée nationale de l'expertise, avec des tableaux à la main, des sculptures aussi et autres objets entreposés dans les greniers ou encore au fond d'une armoire. Et cet espoir, bien sûr, que l'un des quatre experts présents vous annonce un trésor caché. Tiphaine Leroux, Olivier Meyer. Ils sont sortis du purgatoire où ils sommeillaient. Aujourd'hui, comme leur propriétaire, ces objets attendent le jugement. Dis donc, il y avait des pigeons. Alors, ça, donc, c'est signé de Sauvane. Alors, 1942, donc ouais, un beau paysage autrichien de montagne. Oui, ça, c'est pas mal. Les tableaux sont particulièrement nombreux. Et quand le commissaire-priseur commence à s'asseoir, c'est plutôt bon signe. Je sais que mon père l'avait fait estimer déjà il y a une vingtaine d'années. Je savais qu'il y a une petite valeur. Après, comme je disais, monsieur, si les cotes des peintres peuvent monter ou baisser... Signé Victor Gilbert, un peintre parisien de l'époque 1900, cette œuvre devrait être mise aux enchères prochainement. Ouais, ça peut faire 3, 4 000, 5 000. Pour les chanceux, cela peut monter encore plus haut. L'édition de l'année dernière, on est tombé sur un objet en ivoire qu'on avait estimé entre 20 000 et 30 000 euros et qui a été adjugé 30 000 euros dans une de nos ventes en 2016. Pour l'occasion, les commissaires-priseurs se sont adjoints quatre experts parisiens, dont un spécialiste de l'archéologie méditerranéenne. Cette boucle de ceinture est-elle vraiment mérovingienne? Mais en réalité, tout ce décor a été fait au XXe siècle par un faussaire que nous connaissons, qui s'appelait Cotel, et qui rehaussait souvent des objets authentiques en bronze en ajoutant des pierres et de l'or pour leur donner plus d'importance. Que son objet soit ou non de valeur, c'est encore au propriétaire de décider s'il veut vendre. J'avance dans l'âge, j'ai bientôt 70 ans, je voudrais un peu m'en débarrasser parce que les enfants ils vont arriver et puis ils ne valent rien. Je voulais savoir un peu, parce que ça fait longtemps qu'on l'a, ma femme qui avait eu ça par son père. C'est tout par curiosité, c'est pas tellement pour autre chose quoi. Pour ceux qui n'ont pas tranché, il est possible toute l'année de faire estimer un bien gratuitement à l'hôtel des ventes de Troyes. En cette période de grand froid, le vrai trésor n'est pas toujours celui que l'on croit, c'est le dessin du jour signé Thierry Doudou. Voilà, vous le découvrez à l'antenne.